Alors ils nous ont dit que d'après les sondages, 23% des femmes buvaient du café noir avant 8h32 et qu'après le ménage, un bon tiers des humains ne pensaient plus qu'à boire. Ce qui fait des midi tristes à 20%, quand la moitié des hommes allument leur briquet et laissent augmenter les sucres dans le sang et déborder le taux de nos gamins jetés. C'est pas pour la santé qu'on boit, c'est pour la peine, c'est pour la peine. C'est pas pour la santé qu'on boit, c'est pour vider le viande. Selon la tragédie du fait accompli, si je n'en prends plus la nette. Bon, allez, je vous le dis, bon. 82% du texte de la chanson que je suis en train de vous chanter a été puisé en fait dans de vrais articles de presse. Presse écrite, radiophonique et télévisée, etc. J'aime à dire ça parce que on goûte mieux. Surtout celui-là. Selon la tragédie du fait accompli, si chaque enfant qui va naître est un consommateur potentiel et porteur, il fait monter les prix, il est en quelque sorte un humain variateur. Bernard Guetta, France Inter, qui vient grossir les rangs de nos spéculateurs, mais fait baisser le taux de l'inatalité, qui d'après les écrans du grand ordinateur, porte à 18% le taux des illettrés. Des cancers, c'est pour que la balance de trop plein des cantines. Ils vont jusqu'à sonder les peuples affamés. En 20% des pauvres s'accrochent à Paris Match et regardent pourrir l'Afrique à la télé. L'avenir est un leurre qu'il nous faut payer cash. L'avenir est un leurre qu'il nous faut payer cash. Je stagne sur la courbe, j'ai 43% sauvés par la ceinture. Je suis un mort en moins chez les chercheurs qui trouvent. Je baise avec un casque, mais pourvu que ça nue. En attendant, messieurs, des chiffres sans les lettres, alignez vos zéros sur nos identités. Chaque humain porte un nom, et qu'au nom des peut-être, oh, sans retourner au mar, se refaire une santé. Communication de